Ça serait une année bizarre, un temps où il y aura des morts brusques. 142 morts supplémentaires dues au coronavirus. Et la propagation du virus dans le monde, le bilan est sur le point ce matin de franchir la barre des 10 000 morts. Nous sommes en guerre. Bonjour à tous, ça va ? Non, moi ça ne va pas, ça ne va pas. Vous pouvez bien remarquer, je suis vraiment étouffé, je peux pas. Tout le monde actuellement est obligé d'avoir un masque quand il est à l'extérieur, quand il est dehors. Ah ouais, pour les simples bonnes raisons, vous le savez bien, ce qui se passe actuellement dans le monde. J'en ai partout, dans les centres commerciaux, quand je suis dehors, même quand j'y vais chier en fait. Bah oui, même aux toilettes, j'en ai toujours. Même là, non, là, je suis obligé de l'enlever. Là au moins, je peux bien respirer. Ben, je vais trouver quelque chose pour accrocher ces masques. Voilà. Derrière moi, pourquoi pas. Nickel. C'est bien accroché. C'est les confinements. Comprenez. Mais non. Non. Mais qu'est-ce que je fais? Un instant, je vais me changer rapidement. Allez les amis, on va repartir. Voici pour vous 5 prophètes qui ont prédit sur ces virus. Les vidéos que vous allez suivre juste après ont été enregistrées entre décembre 2019 et janvier 2020. 5 prophètes ont prédit sur cette maladie. Je vous demande de regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis au prochain numéro. Are you ready? Pendant le mois de mars de 2020, il y aura des périodes très bizarres. Il y aura des manifestations très bizarres. Et l'ange qui va gérer ce mois-là, pendant cette nouvelle année, est très obscur. C'est pourquoi le mois de mars, il y aura un mois où on va entendre beaucoup de nouvelles, même au travers du monde. Restez chez vous, c'est le meilleur moyen de venir à bout du coronavirus. D'ailleurs, les contrôles sont renforcés ce week-end. Plus de 160 000 policiers et gendarmes sont déployés pour éviter les déplacements de population. 2020. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Sa venue va bouleverser certaines choses dans les nations. Vous allez entendre des bruits, de scandales, de guerres, de morts. Le nombre de décès va augmenter avec le temps. Mars, retenez bien ce mois. Mars, esprit de guerre, spirit of war, dans de nombreuses nations, in many nations, tu frappes, you strike, en deuil, verse le sang. You pour out blood. Le Togo pleure. Togo weeps. Le Gabon. Gabon. La France est paralysée. France is paralyzed. Nous sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Que notre pays n'est pas destiné à être fermé. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. La France est paralysée. France is paralyzed. La France est paralysée. Et je ne peux pas m'imaginer un tel niveau de paralysie. Et ça ne s'est pas produit en février, ça ne s'est pas produit en janvier, ça s'est produit en mars. Exactement, je dis, waouh, Dieu! Vous savez, je vous ai récemment dit que vous pouvez être ici et apprendre qu'il n'y a pas de service, fermeture de l'église. Je suis très inquiet sur ce qui va se passer cette année. Cela me préoccupe plus que tout. Savoir si cela doit m'amener à fermer l'église et découvrir ce qui va se passer, parce que la peur est partout. Si quelque chose veut vous attraper, elle ne doit pas vous prendre au dépourvu. Ça ne vous dérange pas, mais je suis très, très inquiet. Téléspectateurs, vous avez vu cette parole prophétique depuis l'année dernière? Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Depuis l'année dernière, je suis à genoux
dans la prière, la personne qui trouvera les traitements aura la calvitie, mais il aura deux associés. Ça passera à la télévision. Vous allez vous souvenir qu'un prophète avait parlé dans cette maison. Et le Seigneur me dit qu'il y a certaines personnes qui vont connaître des temps durs pendant le mois de mars. D'ailleurs, nous allons prier pour cela. Il y a comme un vent d'esprit de mort qui voudra souffler au mois de mars. Le confinement se prolonge et toujours autant d'inventivité chez les internautes qui publient leurs images sur les réseaux sociaux. Il y a trois personnes qui sont en train de faire des recherches pour trouver un traitement pour coronavirus. De la Chine à la France, de l'Australie aux États-Unis, de scientifiques sont en quête d'un vaccin. Écoutez-moi, écoutez, c'est le prophète qui parle. Est-ce que je peux avancer? Alors on va trouver un traitement pour coronavirus. La chloroquine pourrait-elle devenir un traitement contre le coronavirus? Le professeur Didier Raoult a dévoilé des premiers essais cliniques positifs. Mais le traitement des coronavirus ne va pas prendre tout le monde, ne va pas marcher avec tout le monde. Alors ça va sembler comme si on dit que c'est un traitement qui a raté. Cependant, certains médecins ne sont pas encore convaincus. C'est un traitement prometteur, mais qui impose prudence et vérification. Mais ce traitement-là est vrai. Il y a un essai clinique sur 24 patients qui a été mené, qui donne des résultats effectivement qui sont plutôt prometteurs. Mais ça ne va pas se d'adapter au corps de tout le monde. Coronavirus, c'est une maladie qu'on va commencer à donner des vaccins de coronavirus à un temps donné. Ces scientifiques promettent un premier vaccin. Un vaccin contre le coronavirus. Alors ça va faire ses effets, mais il y aura un traitement pour ça. Gucci gang, 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 Gucci gang